Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Bully Scholarship Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Rockstar Games présente une production de Rockstar Vancouver. Jimmy, please, Jimmy, mon chéri, dis quelque chose. James? James, hein, t'es qui toi d'abord? Maman, je croyais que je devais pas parler au nouveau. Jimmy, pour la énième fois, sois gentil avec ton nouveau beau-père. Ok, gros riche, je trouve ça super que tu sois deux fois plus vieux que ma mère, aussi tu sois plus gros. T'as suivi, j'en ai assez de ça, petit morveux. Tu as contrarié ta mère, j'ai presque envie de te donner une bonne correction. Presque envie, c'est pas mal pour un vieux naze. Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de timonce? On s'occupera de ton cas à notre tour de la lune de miel. L'an prochain. Nous voici, mon garçon, Bullward Academy. Amuse-toi bien, Jimmy. Je penserai à toi pendant notre croisière. Ouais, bon débarras. Bienvenue à Bullward. Salut, Seigneur. Maman, pourquoi t'épouses ce type? C'est quoi ton problème? J'y crois pas. Tu dois être le petit Hopkin. D'où vous sortez? Nous t'attendions. Bienvenue à Bullward. Je suis sûr que tu te plairas ici. Et même beaucoup. Enfin, je ne vais pas passer ma vie ici à attendre des méchants petits garçons. J'ai un homme à rendre heureux. Le proviseur t'attend, Hopkins. Dans son bureau. OK. Ton bureau est par là, petit. Dans le bâtiment principal. Ne fais pas attendre Monsieur Crabbles. Cabblesnitch. C'est un homme brillant. Brillant. Qu'est-ce que tu fais de bon, mon chummy? Déplacer Jimmy avec le stick analogique gauche. Déplacer sa caméra avec le droit. Jimmy se déplace plus ou moins vite en fonction de l'angle auquel vous orientez. Sur le radar, X indique la votre destination. T'as déjà joué à ce jeu? Tu m'en veux me battre?
Ah ouais? Quand on dit que c'est à l'étage différent, il apparaît sur le radar sous forme. J'y ai jamais joué. Bonjour madame. Ah oui, vous devez être Hopkins. Hopkins. Ouais, pardon, ouais. Oui, monsieur. Eh bien, voyons ça. Vous avez fait beaucoup de grosses bêtises, je vois. Vandalisme, graffiti, grossièreté, violence conduite et respectueuse. Oh, j'ai peur de vous, Hopkins. C'est bon, lâchez-moi. Je n'ai jamais eu d'élèves comme vous. De toute ma carrière, Hopkins. Vous êtes le garçon le plus méchant que j'ai rencontré. Pourquoi devrais-je perdre mon temps avec vous? Je sais pas, moi, parce que c'est mon métier, mon travail. Vous excellez à créer des ennuis, et moi, à dresser les garçons dans votre genre. À en faire des membres respectables de la communauté de Bullworth. J'ai un bon pressentiment, mon garçon. Je crois que nous allons devenir de bons amis. Tenez-vous à carreau, mon garçon, ou je vous devrais sévir. Miss Danvers, vous êtes là? Oui, monsieur, je vous apporte du thé. Vous êtes trop bonne, Miss Danvers. Vous le méritez, monsieur. Vous le méritez, monsieur proviseur. Faites le tour de l'école. Notre nouvel élève. Et remettez-lui son uniforme. Très bien, monsieur. Suis-moi, petit. J'ai beaucoup à faire. Et souvenez-vous, je ne veux pas d'histoire. Tenez-vous à carreau, ou je sévirai. Discuter avec les gens. Et me voilà probablement dans le pire bahut du pays. Il m'a formé que des trafiquants d'armes, des tueurs en série et des avocats d'affaires. Le rebut de la société, ce vieil abruti qui croit pouvoir me mater. On verra ça, mon pote. Je donne aux gens ce qu'ils méritent, moi. Nouveau ami, où est votre uniforme, Hopkins? À présent, sauvez-vous. Allez dans votre chambre. Souvenez-vous. Je pense que les chambres sont à l'étage du bas. Tout le monde m'insulte. Cachez-vous correctement. Eh bien, quelle heure il est? C'est l'heure de la baston! Chopez de nouveau, tabassez-le! Oh.
kidding yourself? I ain't gonna forget. I'll never forget. You're dead. T'es mort de nouveau. Mort. Et vous, séparez-vous. Ça suffit comme ça, séparez-vous. Pourquoi n'êtes-vous pas en uniforme, jeune homme? Allez vous changer. Allez. Hey, t'es nouveau, toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Sympa, mais lâche-moi, tu veux? Détends-toi, t'es dans tous les états. File droit ou ils te colleront des médocs. Moi, j'ai eu droit et j'ai failli me faire prendre. Super, bon, si tu veux bien m'excuser, détends-toi, je te dis, lâche-moi. Écoute-moi, Al-Qaïd. Tu viens de débarquer dans une des pires écoles de tout l'état et moi, je t'offre de l'amitié, crois-moi. Dans un endroit pareil, va te falloir des potes, alors qu'est-ce que t'en dis? T'arrêtes de jouer les gros bras? Ouais, ok. Cool, bon, je fais une visée guidée. Votre jauge de santé. Approchez-vous du distributeur de boissons et appuyez sur Y pour prendre une boisson. Tu devrais mettre en uniforme si tu veux éviter d'avoir des ennuis. Boire un soda régénère votre santé, d'accord. On est obligé de faire les missions secondaires. Hey, how you doing? Salut, comment tu vas? Tu dois être de nouveau. Moi, c'est Peter Kowalski. Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. Je suis là depuis 5 minutes à peine et on veut déjà me tuer. Mes parents m'ont pas détesté aussi vite. Bienvenue à Bullworth, c'est un vrai trou à rats ici. Et tu sais, j'ai déjà été viré de tous mes cours. Oh, j'ai été viré de tous les bahuts les plus minables. Je suis un vrai dur. Laisse tomber ton numéro, ok? C'est quoi ton problème? Les troubles du comportement, la vie, les parents. Cette école, la civilisation, mais bon, assez parlé de moi. Ah, t'as rencontré la mascotte du dortoir? Mesdames et messieurs, voici Famlet, la seule vraie meuf de l'école. Peter, t'as pas des copains imaginaires à aller voir? Fiche-moi la paix, Gary. Écoute-le, fiche-moi la paix. Je suis un vrai mi depuis que je suis devenu pubère. C'est quoi ton problème? J'essaie d'être sympa avec le nouveau. Pendant son séjour à Bullworth, avant qu'il finisse inévitablement en prison, je dois y déballer mes affaires. Vous voulez bien me laisser tranquille? Oh, regarde ce que t'as fait, Pete. Jimmy peut déjà plus te sentir. Ah, d'accord. Appuyez Y pour accéder au livre de sauvegarde sur votre bureau et sauvegarder la progression. N'oubliez pas, une fois que vous avez commencé une tâche, vous n'avez plus accès à votre livre de sauvegarde. Voici votre école. Oh non, pas encore.
Let me show you around. Nice, tu toi. C'est bien là. C'est carrément de Russell. Tu devrais le gorille qui a failli t'envoyer à l'hosto. Quelqu'un devient agressif envers vous, essayez de présenter vos excuses. Vous pouvez maintenir avec A. Et pas en tout cas, vous demandera quelque chose avant de vous laisser tranquille. Pour payer Russell, appuyez sur LT A. Les excuses marchent aussi avec les adultes, les pions et les autres élèves. Comme un vrai bully. Ouvre-le et vole le truc, ça lui fera du pied. Oriente lentement le stick analogique gauche dans la direction de la flèche pour ouvrir le casier. Votre grabugeau automate se trouve à droite du radar et se remplit. Attention aux pointes rouges sur le radar, ce sont des pions. Si un pion se voit, il est en train de vous épingler. Cachez-vous dans la poubelle pour essayer. Cachez-vous correctement quand vous êtes caché, vous pouvez regarder autour de vous en utilisant. C'est grave, faut quitter votre cachette. Hey Jimmy, follow me. Suis-moi Jimmy, je te suis, je te suis! Quand le prof te chope, faut que tu te sauves. Ah. Tu les tabasses sans te faire voir, comme un vrai bully. Bully, bully, bully! Le seul bully que je connais, moi, c'est un bonhomme de neige. Voilà, petite cinglée de nez, viens, on va se marrer d'un coup. Discute avec ces gens pour savoir ce qu'ils veulent. Maintenant, appuie sur L et appuie sur A. Hey grosse, tu manges tes crottes de nez! Mangeuse de chips, mangeuse de chips! Il a pris mon chocolat, tu pourrais le récupérer? Apporte mon sans chocolat, Unis. The Manhunt. Manhunt, c'était bon. J'ai fait le 1, j'ai 1 puis le 2, mais ça, mais le 2 il marche pas parce que ben, il marche, mais c'est que ma carte de diffusion pour ça il fonctionne plus. Approchez-vous et maintenez pour. Sûr, je te donne du chocolat si tu payes. Ok, je vais payer.
C'est buggy ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois où ça a bugué? Ah, c'est peut-être... How are you? Students online have said good students report all wrong behavior to the prefects, and that doing so is not the same as snitching. Je pense que j'ai eu le chocolat. Non, c'est bon. C'est gelé, Noé. That's Russell's locker. You know, the big ape who almost put you in the hospital. You like to eat fist? What did I ever do to you? Your money! All of it! I'm no threat to you! Scar's face! You don't know what pain is! There's dust enough not to smash you! Come on! Let's break into it and steal something. That'll teach him. Don't let the prefects see you break any rules, they'll hurt you. Well done! Tiens, puis on vous voit et c'est en train de vous éplinguer. Ok, c'est ça que c'est les... Why is my underwear all squishy?
Et un toi collier. On peut courir plus vite, Sti! On peut pas courir plus vite! Yes. Hey, je vais venir ma patience, on dit jeu de même. Oh non! Not again! Hey, Jimmy! Let me show you around this prison. That's Russell's locker. You know, the big ape who almost put you in the hospital. Word stupid! Pulverizing good! Please don't hurt me. Time to pay your Russell tax. I didn't mean anything. Puke brain. Say Russell rules. Say it. Next time you give more, doofus. Come on. Let's break into it and steal something. That'll teach him. Don't let the prefects see you break any rules. They'll hurt you. Well done. Going to have to punish you. T'es hop courir. Oh man, there's that weird chick Eunice. Let's have some fun with her. Go, see what she wants. How are things? He took my chocolate. Please get it back. Bon. There he is. Show him what you're made of, Jimmy. Whoa, take this stupid chocolate. Prends-le ton chocolat. Oubliez votre objectif, bien sûr. Tiens, ma petite grosse préférée. Oh, tabarnak. T'as vraiment embrassé? On va aller à la cantine, je vais te montrer le faune local. Comme si il a daté son frère, si. Il avait l'air d'un homme sur pattes.
time at the zoo. Okay, here's the deal. Là-bas sont les Fayots. Évidemment, ce sont les parias. Ils ont l'air inoffensifs, mais ce sont des vrais sournois et ils se planquent dans la bibliothèque. Là, c'est les bourgs. Ils pensent qu'au fric et se croient supérieurs. Ouais, tous des corps sanguins et des bêtes de cirque. Bien observé, Jimmy. Là-bas, sont les blousons noirs. Ou ils aimeraient qu'on le croie. Évite quand même de les chercher, au moins pour l'instant, ils traînent près du garage. Et enfin, pour finir, les sportifs. Ces mecs sont les rois de l'école. Un bon conseil, évite-les. Les gorilles adeptes de la gonflette. Ils me font pas peur, tu verras bien. Allez, viens. Vous êtes ici pour apprendre, pas pour faire des clowns. Allez en classe. Le radar indique l'endroit où vous devez aller en cours. Les cours du matin commencent à 9h et durent jusqu'à 11h30. Regardez l'horloge dans le coin supérieur gauche de l'écran pour surveiller l'heure. Ne soyez pas en retard, vous devez être en cours à 9h30. Shit, c'est en bas. De chimie. What are you doing in here? Que faites-vous ici? Ah oui, le cours. Okay. Attention à bien suivre mes instructions. Nous allons manipuler des produits chimiques hautement instables. Je suis un génie de la chimie! Les pétards sont disponibles. Utilisez la panoplie de chimistes dans votre chambre pour faire des pétards. Appuyez brièvement sur LB pour pas courir. Appuyez sur RT pour lancer votre arme. Je me demande comment je fais pour enlever ça de mes mains. Nous yeux sortants. Vous semblez avoir raison, pris vos aises, mon garçon. J'essaie de m'intégrer. En vous battant, en vous apportant vos camarades. Ça ne se passe pas comme dans Bullworth. C'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, ben, ça se voit pas, pardon. Je dis que ça se voit pas. Il y a que des cahiers de dessins anglais ici. Ne dites pas n'importe quoi. C'est de la camaraderie. Du bon temps. À mon époque, on ne reculait devant rien pour mateler les nouveaux. Je veux que vous saisissiez ces idiots, Hopskin. J'exige que vous vous comportez bien. Est-ce que je peux y aller maintenant? Filez.
J'ai vu faire de la lèche, crablèche, quoi? Ta gueule. Va te faire voir. Voilà ce qu'on va faire au stupide. T'as pas intérêt à me faire ça. Viens-t'en ici. Un plus de B près de la rambarde pour se retourner dessus. Ne perdez pas Davis, il est représentant. Qu'un ministre, ce nouveau. J'ai manqué un coup. Hein. Récupérer lance-pierre. En fonction de votre table, vous recevez des respects positifs ou négatifs de la part des bandes. Pour voir le niveau de respect, appuyez sur Start et allez sur la page. Jimmy Hopkins delivers. Bonjour à tous. Le programme exige que vous fassiez ces exercices de vocabulaire. Vous pourrez les faire en classe, comme ça vous aurez plus de temps libre. Trouvez autant de mots français que possible avant la fin du cours. Dessinez la lettre, effacez la lettre, mélangez les lettres, parcourir info.
Well done. Good one. That's right. Good show. No. Try again, James. But non, bah moi c'est une autre sorte de but. Keep it up. Well done. I don't think that's in the dictionary. Good one. Et c'est quoi les autres mots, tabarnak? I'm afraid I can't give that a passing grade. Save it for someone who cares. C'est une bonne idée, non? Ouais, ok, bien sûr, je vais le faire. Hey man, quoi de neuf? Pas grand chose. Je t'explique à Pete comment je compte faire pour devenir le maître de l'école, enfin. Pour que nous devenions les maîtres. Comment ça? T'inquiète pas, Jimmy. C'est juste un petit truc que j'ai mis au point et. C'est marche ou crève. Et si tu sais marcher, faut laisser crever les autres. Et moi, ça vaut l'opération, laisse-moi faire. Quoi? Quoi, débile? Tu sais rien dire d'autre? You know what, Petey, you were right. T'avais raison, Jimmy est plutôt débile. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, rien, je te jure. J'ai juste dit que tu devais être plutôt débile pour avoir été viré d'autant de bahuts. Cool, James. Il a juste dit que tu devais être débile ou alors complètement à la masse. Parce que tu sors de nulle part. Qu'est-ce que tu as dit? Détends-toi, mon pote. Gary sort tout sans contexte. Oh là, doucement, faut pas mentir, Pete. C'est pas bien, hein? Tu sais ce qui arrive aux menteurs? Je mens pas. On leur explose les burnes. Tiens, Jimmy, on va voir ce que tu veux avec le lance-pierre à tes... Tu as récupéré, t'inquiète, mec. Y a rien qui m'échappe ici. Toi et moi, on peut s'entendre.
Hey, Jimmy, follow me. I'm clearly going places. Troublemakers. C'était cette bouteille, les vitres du bus. Venez pour verrouiller la cible. Allez, on s'en va au terrain. Tout derrière cette table pour embêter. Allez vers l'arbre, Y. Cachez-vous dans l'arbre jusqu'à l'entraînement du foot. J'ai pris d'arrêter. Respect des favos, plus 5. That's that nonsense dealt with. Qui a-t-il sous le radar? Your ass. Call that a hit. You're pathetic.
Mon dortoir, es-tu par là? Ah ouais. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Bully Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!